Je suis une jeune fille qui a des espoirs et des désirs de réussir ma vie en contribuant au développement socio-économique de ma communauté. Dans certaines communautés, les populations font plus de 20 km à pied pour se rendre à l'hôpital le plus proche. Et c'est très difficile pour les femmes enceintes. La seule source de revenus pour mes parents de nous envoyer à l'école, mes frères et sœurs et moi, est l'argent qu'ils gagnent dans la vente de leurs produits agricoles. Depuis la fermeture des écoles en mars, nous n'avons plus étudié. Je ne sais pas combien de temps cela va durer, mais l'école me manque vraiment. Actuellement, nous aidons nos parents dans les travaux champêtres, même si j'ai trop envie de retourner à l'école. J'aimerais à nouveau apprendre, ou si possible, d'avoir accès à l'éducation en ligne pour rattraper le temps perdu. Nous faisons donc appel à nos autorités politiques, au ministre de l'Éducation, aux ONG, à nous faciliter la tâche en rendant la connexion Internet moins chère, voire même gratuite pour les élèves, les étudiants et les enseignants. Nous demandons plus particulièrement aux entreprises de télécommunications mobiles d'envisager l'accès gratuit à l'Internet pour l'apprentissage. Nous plaidons pour l'accès gratuit à l'Internet pour les élèves, les étudiants et les enseignants. Nous avons été absents de l'école pendant longtemps. Je suis inquiet pour mon avenir. Dans notre école, nous n'avons pas pu continuer les cours en ligne comme d'autres écoles privées. Les cours à la maison, mais la connexion à l'Internet coûte très cher. Aidez-nous à continuer à apprendre en rendant la connexion à Internet gratuite pour les élèves, les étudiants et les enseignants. Nous avons aussi de grands rêves et de grandes aspirations, comme tous les autres jeunes étudiants. Nous n'avons pas le privilège d'apprendre en ligne et pourtant nous avons droit à une éducation de qualité. Que l'on soit riche ou pauvre, que l'on fréquente un établissement public ou privé, nous avons tous le même droit. Nous demandons aux entreprises de télécommunications mobiles de nous aider en cette période de besoin et de se montrer solidaires dans cet effort de lutte globale. Nous demandons l'accès gratuit à Internet pour tous les apprenants. Nous demandons l'accès gratuit à l'Internet pour tous les apprenants. Nous demandons l'accès gratuit à l'Internet pour tous les apprenants.